Cette année-là, la République des singes connut une sécheresse sans pareil. Dans la République des singes, le titre le plus glorieux, c'est voleur. En bas, maintenant, on go zoo. Le travail le plus respecté, c'est voler. Voler les épis de mil dans les champs, voler le maïs, voler l'arachide, voler les melons dans les jardins, les pastèques, voler les goyaves et les papayes dans les vergers. Bref, tout ce que les champs, les jardins et les vergers te présentent à voler. Si tu es un citoyen, un vrai citoyen de la République des singes, voler une pastèque pour l'offrir à sa belle-mère, tu es certain d'être chanté par tous les griots singes. Voler des dattes pour madame, et elle te récompensera par la plus douce des nuits. Mais cette année-là, rien. Sais-tu que les racines de nénuphar se mangent? Les racines de nénuphar, tu les manges en cachette pour qu'on ne se moque pas de toi, pour qu'on ne dise pas de toi. Regarde, regarde-lui. Tellement qu'il a faim qu'il mange même les nénuphars. Mais cette année-là, même les nénuphars, rien. Le président de la République des singes est très attaché à la démocratie, au vivre ensemble, à la bonne gouvernance. Il réunit l'assemblée du peuple. Il explique son programme. Citoyens singes, citoyennes guénons, nous n'avons plus rien à manger, ni nous, ni nos épouses, ni nos mères, ni nos enfants. Je vais partir par les chemins, chercher une solution, la trouver, la rapporter. Le président s'est mis en route avant l'aube. Il marcha, marcha, marcha. Tous les jours, il marcha. Une semaine, un mois, jusqu'à découvrir au-delà d'une colline un paysage d'abondance et de fraîcheur, sillonné des rivières, parsemé de champs et de jardins. Il se désaltéra, combla sa faim, remplit une calebasse de mangue pour les offrir à sa chérie, la première dame de la République des singes. Puis, se décida à rentrer pour annoncer la nouvelle à son peuple. Mais avant de franchir la crête de la colline et de s'engager dans sa république ravagée par la sécheresse, il entendit un bruit rythmé qui l'inquiéta. Il scruta le paysage et découvrit une scène qui l'inquiéta. Il ne se découragea pas et poursuivit sa route. L'assemblée du peuple fut réunie. Il parla aux honorables singes et guénons. Honorables représentants du peuple singe, la moitié de ma mission est accomplie avec succès. J'ai découvert un pays de miel et de lait, de fleurs et de fruits. Je peux vous montrer la route. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Allons-y, allons-y, crièrent les honorables. Mais un enfant effronté, comme le sont les petits singes, prit la parole et dit: président, tu nous as dit que tu as réussi la moitié de ta mission. L'autre moitié, c'est quoi? Le président expliqua. Au début, tout était calme et beau. Mais en partant, j'ai vu une scène inquiétante. Parle, 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 président, dirent les honorables. J'ai vu un village. Dans le village, j'ai vu une fille. La fille pilait le mil avec un gros pilon de bois rouge. Dans sa cour, il y avait des animaux comme nous, des chèvres, des brebis, des pigeons, des coqs. Les bêtes se sont approchées pour manger le grain qu'elle pilait. Ah! Elle a pris son pilon et l'a jeté à toute force sur nos sœurs chèvres et brebis, sur nos frères coqs et pigeons. C'est ça qui m'a inquiété. Ah, le président, toi aussi. Hein? Est-ce que ça même, c'est un problème? Hein? Allons-y, on a faim, dit le doyen des honorables. Toute la République se déplace derrière son président.
Ils mangèrent, ils burent, ils volèrent tout ce qu'ils purent. Et jamais les belles-mères singes ne furent comblées de si beaux cadeaux. Jamais les jeunes mariés ne connurent des nuits plus douces. Mais un jour au village, la jeune fille pilait avec son pilon de bois rouge. Une chèvre s'approcha du mortier. De toutes ses forces, la jeune fille lança le pilon vers la chèvre. L'enfant du chef passait par là. Le pilon rencontra sa tête et le blessa cruellement. Le chef réunit la confrérie des guérisseurs qui délibéra. Le porte-parole des guérisseurs annonça leur décret. Le seul médicament capable de guérir cette blessure-là, c'est la cervelle de singe. Beaucoup, beaucoup de cervelle. Les jeunes gens partirent dans les champs, dans les bois. Tous les singes qu'ils rencontrent, ils les attrapent, ils les ramènent, ils les pendent par les pieds au grand arbre du conseil. Fesses en l'air, tête en bas. Les singes se tortillèrent, fesses en l'air, tête en bas. Ils se tournèrent vers leur président. Président, maintenant on fait quoi? Le président répondit. Peuple singe, quand je t'ai parlé de mes inquiétudes, j'avais la tête sur mes épaules, les fesses assises sur ma branche. Tu ne m'as pas écouté. Maintenant que je suis attaché, fesses en l'air, tête en bas, est-ce que je peux même te donner conseil? Mes chers amis, nous sommes tous les mêmes. Nous aimons les paroles sucrées. Nous recrachons les paroles amères. Mais la vie est faite de sucre et de vinaigre. Si tu veux marcher droit, la tête bien plantée sur tes épaules, profite des paroles sucrées et sois attentif aux paroles amères. C'est sur ces mots que je dépose mon histoire ici, devant vous. Thank you.